Salut Marc, salut les Smart, salut le peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE. On se retrouve cette semaine pour reviewer le Monday Night Raw 1444 du 25 janvier 2021, qui se déroule comme à l'accoutumée à Saint-Pétersbourg, Floride, USA, dans le Thunderdome au Tropicana Field. Vous avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure Cody, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette folle review de ce Go Home Show du Royal Rumble 2021, rien d'autre que l'inusable, que l'inarrêtable, Papy. Salut Papy. Bonjour les enfants, bonjour tonton, ouais, Go Home Show, ça va être la fête, c'est super chaud. Ça devrait être un lundi de folie. Ah oui, alors là, il va se passer plein de choses, je le sens. Oh oui, il se passe tellement plein de choses. D'ailleurs, qu'on commence direct par le champion du show rouge, le champion du vaisseau amiral, en l'occurrence le bel homme, le Drew McIntyre, qui est donc de retour après sa convalescence due au Covid-19. Il vient bien pour remercier les fans du soutien qu'ils lui ont donné pendant toute cette période, qui finalement a été relativement courte, hein. Il est plutôt chanceux. D'ailleurs, il le reconnaît, il dit qu'il a eu que des symptômes mineurs, hein, qu'il était asymptomatique et qu'il travaille dur pour préparer ce Royal Rumble. Il va dédier son prochain match à tous ceux qui souffrent du virus. Voilà, prenez vos vitamines, prenez votre hydroxychloroquine et ça va bien aller. Comment ? Un suppo et au lit. Ah voilà. C'est un truc traditionnel. Et voilà, du coup, il va nous parler du futur adversaire, en l'occurrence, c'est de la légende quand même. Donc, il va nous parler de Goldberg. Il nous rappelle qu'il a toujours vaincu les champions qu'il a affrontés dans leur retour. Mais voilà, ça va changer le prochain dimanche lorsqu'il brandira le championship. Il va être interrompu une fois de plus. Par le Miz et John Morrison qui sont là, qui viennent se moquer de McIntyre. On rappelle que le Miz est le détenteur de la mallette in the bank. Voilà. Et voilà, bien, il est là pour dire que c'est lui qui va lever le titre au ciel à la fin du pay-per-view. Ils vont être tous les trois interrompus par l'arrivée de Goldberg. En fait, ils auront à peine le temps de se chicaner que déjà le Goldberg va arriver. Lui, ça va être simple, hein, il va juste dire qu'il va affronter dimanche Drew McIntyre, you're next. Voilà, on se fait pas trop chier avec la promo du Goldberg, hein, parce qu'on sait jamais qui botche. Miz et John Morrison, ils sont à ce moment-là, ils sont sur la prone en train de se marrer, mais ils se font choper par les deux, par Drew McIntyre et par Goldberg, qu'ils balancent sur le ring et ils se prennent une double, Claymore et Inspire et Oli. Voilà, je pense que c'était ça, Papy. Ils ont appliqué ton adage, mais sans le suppo. C'est ça. Bon, après, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Hein. Peut-être qu'il y a un aftermatch prévu, mais effectivement, j'ai trouvé que le segment avait été plutôt expédié pour un segment d'ouverture. En plus, ça aurait été la fin, ils étaient en manque de temps, etc. J'aurais compris, mais là, j'étais étonné de la manière où ça a été mené grand train, cette affaire. Et puis, ouais, effectivement, Goldberg qui arrive en disant « Moi, vouloir victoire, terminé. » C'est ça. Je suis même pas sûr qu'il ait fait une phrase avec tous les mots. Il a vraiment fait au plus court du plus court. Effectivement, il y a peut-être peur qu'il se plante. Alors, du coup, ils ont dû lui dire un truc avec trois mots. Il a répété les trois mots. Bref, ouais, ben c'est du classique et en même temps, ça donne vraiment l'impression du bon, allez hop, c'est ravite, on s'en débarrasse, on est peinard. Ouais, je suis d'accord, c'était assez expédié, quoi. Alors, on est quand même dans le Go Home Show du Royal Rumble. Est-ce que tu arrives à t'imaginer Goldberg champion à la fin du Royal Rumble dimanche? Et au-delà de m'imaginer ça, je m'imagine à rien en fait de ce match-là. Je suis absolument pas du tout hypé par ce match. Voilà, je suis un peu, mon avis est biaisé parce que de base, je suis pas hypé par un McIntyre Goldberg. Mais alors en plus, comment ça a été foutu avec bon, pas de chance que McIntyre ait le Covid. Mais tu vois, cette dernière promo, elle a expédié. En gros, c'est on sait que vous vous en foutez, c'est pas grave, on a juste mis là pour avoir un nom au Royal Rumble, et voilà, vous aurez le nom. On va terminer. De toute façon, ça marchera, donc pas besoin de le. Ouais. Allez, on enchaîne avec le 4 qui commence dans ce Monday Night Raw avec un match de la division féminine qui va voir s'opposer Charlotte Flair à Shayna Baszler. Alors, ça va être cette première mouture, on va dire, va être expéditif parce que. À peine le combat aura commencé que Charlotte va réussir à appliquer son figure 8.
Mais pendant qu'elle est en train de l'appliquer, justement, eh ben, y a Nia Jax qui intervient et qui va provoquer direct la disqualification pour un match qui va durer une toute petite minute. Dans ce bazar, Mandy Rose et Dana Brooke vont venir prêter main forte à la championne par équipe, l'autre n'est pas là, alors que Lacey Evans elle-même apparaît pour équilibrer la balance. Du coup, on se retrouve avec un Six Women Tag Team Match entre Charlotte Flair, Mandy Rose, Dana Brooke versus Shayna Baszler, Nia Jax et Lacey Evans. Un match qui va durer quand même un peu plus longtemps que ce qui s'est lancé, puisqu'on aura un match qui va durer à peu près 9 minutes. Voilà, qui présente à peu près toutes les haines du moment entre ces filles-là. Je pense à Dana Brooke face à Nia Jax, entre autres. Alors, on va noter que Nia Jax va encore se distinguer en posant une powerbomb de l'espace à Dana Brooke, qui va avoir la tête, qui va bien frapper le tapis du ring, et un moment assez stiff et voire assez dangereux. Bon, mais tout ça va se régler quand même entre les deux filles les plus fortes, je pense, quoi, dans le ring, c'est-à-dire Charlotte et Shayna, quoi, qui se retrouvent bientôt à la fin du match. Hors du ring, Shayna va être balancée, elle va renvoyer, elle va être à l'extérieur, pardon, elles vont être en train de se battre avec Charlotte. Finalement, elle va réussir à renvoyer Charlotte à l'intérieur du ring. Mais Charlotte, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle remonte pas sur le ring. Et le compte se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Non, on nous annonce un décompte à l'extérieur. Donc, Shayna, Nia Jax et Lacey Evans, elles vont quand même se plaindre auprès d'Adam Pearce pour une défaite injustifiée. Alors là, il faudra qu'on m'explique. Je sens que Papy va avoir de grandes explications là-dessus. Et du coup, Pearce, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va relancer le match. Alors, le restart, c'est la nouvelle mode à Monday Night Raw depuis maintenant 2-3 semaines. Là. Donc, on continue là-dedans. Donc, on restart ce match qui repart avec exactement les mêmes belligérantes. Hein. Nia Jax, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas dans la première mouture, c'est dans la deuxième mouture où Nia Jax va complètement foirer sa powerbomb. Et finalement, alors en fait, j'ai compté en deux fois, en fait, j'ai compté 9 minutes sur l'ensemble du combat, mais finalement, il a été coupé en deux, donc on va dire que ça va être 4 minutes 30, 4 minutes 30 de chaque côté, quoi. Donc voilà où on en est côté division féminine, les amis. Mon papy, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Ouh là, il y a beaucoup de choses de quoi penser. Bon, on est en gomme chaude de Rumble, donc du coup, on met un peu toutes les filles, le maximum de filles entre les cordes. Pourquoi pas, ça, on va dire, admettons. Charlotte, en fait, j'ai l'impression qu'elle nous fait John Cena, de la mauvaise époque de John Cena, enfin, moi du moins, celle que j'aimais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle est au-dessus de tout, elle prend un max de temps d'antenne tout le temps, et t'as l'impression que c'est pas la bouquée, en fait. Donc tu la mets là, tu fais des histoires à droite, à gauche, tu fais des filles partout, tu peux pas la faire perdre jamais, au grand jamais. Et puis voilà, quoi, elle vit sa vie vraiment à part de tout le monde, c'est pas vraiment GG, quoi. Et surtout, elle a une coéquipière qu'on ne voit jamais, hormis à SmackDown, quand elles sont en équipe. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, je comprends pas, en fait. Tout tourne autour de Charlotte, mais en même temps, on n'arrive pas à lui donner un truc intéressant. C'est le paradoxe de cette situation. Et puis Nia, ouais, effectivement, c'est dommage parce qu'elle pourrait faire des moves impressionnants, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu as l'impression qu'elle manque de tuer la personne en face. Là, elle faisait une espèce de méga shock slam sur Dana Brooke, mais elle le lâche. Bah, forcément, la pauvre, elle tombe, quoi. Donc, c'est violent, quoi. Donc, ouais, elle la lâche et elle la tient mal, en plus, sur le côté, comme on doit tenir sur un shock slam, quoi, avec la main opposée, quoi. Et vraiment, enfin, vraiment, elle foire son move, quoi. Après, moi, c'est pas tellement pour la défendre, mais je pense qu'il y a un tel différentiel physique entre elle et les filles qu'elle affronte que parfois, ça doit être compliqué pour les nanas en face, quoi. Qui doivent peut-être avoir du mal à se placer, du mal à appréhender l'autobus qui leur débarque dessus. Donc, bon, mais là, pour le coup, le shock slam, c'est un move vraiment technique, quoi, avec une accroche et une prise spécifique. Et là, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, parce que vraiment, elle le foire dans les grandes larges. Et comme en fait, après, les filles ne savent pas accompagner le geste comme il faut non plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que si elle les faisait bien, ces gestes-là, bah, tu te dirais, oh putain, c'est une montagne, quoi. C'est shock slam puis leg drop derrière, je comprends que Dana se relève pas. Ouais, dommage que tu aies l'impression qu'il a tué la personne entre deux, quoi. Mais bon, ouais. Voilà, c'est pas. Mais c'est. Et ouais, et puis malheureusement, la maladie de Raw de restart le match, là, en fait, finalement, dans trois matchs en quelques minutes, c'est comme pas terrible, quoi.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et on va continuer un peu dans la low card, mid card, puisqu'on va arriver sur un single match entre Xavier Woods et Sabjak. Alors Xavier Woods, c'est pareil, ça fait plusieurs semaines qu'il affronte tous les membres les uns après les autres de Retribution. Voilà, c'est lui qui sert un peu de victime expiatoire depuis que Ricochet a été un peu sorti du truc. Alors, il va affronter cette fois-ci Sabjak pour un match qui va être encore très rapide puisque ça va être un match de 2 minutes 45. Donc, malgré voilà, la pression qui est mise ringside par Retribution, Xavier Woods, il va réussir à porter au bout d'un moment son Shining Wizard, parce que c'est ça aussi qui est fort, hein, c'est que chaque adversaire quasiment de Retribution bat les mecs de Retribution à quelques occasions près. Donc, il va placer son Shining Wizard sur Sabjak. Et 1, 2, 3, victoire de Xavier Woods. Derrière, bien évidemment, il va se faire attaquer par Mace et par T-Bar. Là-dessus, il va se faire coincer au milieu du ring. Mustafa Ali va choper une chaise, va s'asseoir dessus plutôt que l'attaquer finalement. On aurait pu penser qu'il allait régler son compte définitivement à Woods, mais non. Il lui dit qu'il va lui laisser une chance de l'épargner, qu'à une seule condition, qu'il passe un message. Et ce message, il s'adresse à Kofi Kingston. Il lui demande de se retirer du Royal Rumble et de lui laisser sa place. Alors, est-ce que tu crois que Kofi Kingston va répondre à l'injonction de Mustafa Ali, mon papy? Ah, je l'ai mal compris. Moi, j'avais compris qu'il disait que Kofi Kingston avait déjà déclaré forfait et qu'il récupérait du coup sa place. Parce que du coup, on le voit après dans les vignettes de, tu sais, qui présentent les personnes qualifiées pour le Rumble. On voit Mustafa Ali, on voit pas Kofi Kingston. C'est vrai. Donc, je pensais que c'était une information, en fait. Bon, après, je serais pas étonné que Kofi Kingston débarque au Rumble quand même et lui pique sa place. Genre Ali qui fait son entrée, puis Kofi Kingston qui pousse et puis qui rentre dans le ring à sa place, ça serait marrant. Mais ouais, alors je Retribution, ça avait tellement mal démarré que ça prenait tout notre courroux, etc. Là maintenant, je suis arrivé au niveau où je m'en fous un peu. Je les considère finalement comme la low card de chez low card. Et bah, s'ils arrivent à sortir une rivalité Kofi Kingston pas trop dégueulasse, bah, ça sera toujours ça de prix. Xavier Woods, il avait comme perdu les deux derniers matchs, donc là il en gagne quand même un. C'est de la méga méga low card. Voilà, on va croiser les doigts pour avoir un match Kofi Ali à un moment dans un pay-per-view qui soit sympa. Mais sincèrement, j'ai fait mon deuil de Retribution qui sera un grand clan, donc maintenant je les considère comme des low carders qu'ils sont d'ailleurs. Et donc finalement, bah, ils sont à leur place, quoi. Donc je ne leur en veux pas pour ce segment-là, quoi. Ouais, c'est entériné que Retribution de toute façon fait partie de la low card. Je crois qu'il n'y a plus tellement de surprises de toute façon. C'est presque ça depuis le début, j'ai envie de dire. mais là, de toute manière, ça s'entérine. Dorénavant, on est plutôt lancé, même quasiment dans une rivalité de toute façon Kofi Ali, parce que c'est vraiment la peau de Kofi Kingston que veut Ali, donc ça va s'orienter là-dessus. Et comme je l'ai dit précédemment, Xavier Woods cherche de victime expiatoire à cette affaire-là. Bon, la suite au prochain numéro, comme dirait l'autre. Hein. Allez, c'est l'heure du VIP Lounge avec le Hurt Business au complet, avec un Shelton Benjamin d'ailleurs qui va respecter les gestes barrières jusqu'au bout, hein, puisqu'il va monter sur le ring avec son masque pour finalement quand même le retirer, parce que bon, il y a un peu de promo à faire. Voilà, MVP va nous annoncer que ces gars, ils doivent être bien bien concentrés pour le Rumble, là, qu'il attend une grosse grosse perf de leur part. Bobby Lashley, lui, il explique à MVP que voilà, c'est dommage qu'il est le seul à pas avoir de l'or, parce que on vous le rappelle, hein, le Hurt Business possède les ceintures Tag Team et le titre US. Et du coup, ils ont décidé de lui offrir un cadeau pour réparer ça. Et donc, on va lui ouvrir une petite boîte avec un collier dedans, avec un gros THB écrit en lettres d'or. Donc, il va remercier Lashley. Alexander, lui, va dire que l'idée vient de lui, et Benjamin va le couper. C'est dorénavant traditionnel. Pour lui dire que bah, non, on a tous eu l'idée, qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Arrive R-Truth, notre champion 24-7, qui dit qu'il est content que le Hurt Business lui ait réservé une fête d'anniversaire, parce que c'est son anniversaire, et il pense que bah, le cadeau qui est là, bah, tout simplement, en fait, c'était son cadeau, quoi. Donc Benjamin lui dit, non, mais c'est bon, casse-toi, t'es à la ramasse. Mais au moment où il commence à parler, il est le champion 24-7, donc il y a tout un tas de types qui se mettent à lui courir après, qui vont essayer de vouloir traverser le ring pour choper le Hurt Truth. Pas de chance, il y a le Hurt Business qui est sur la route. Le Hurt Business va faire le ménage, va tabasser tout ce qui passe. Mais il y avait le Riddle qui était en embuscade, qui va arriver une nouvelle fois par derrière et qui va attaquer MVP avant de s'enfuir. On va retrouver Hurt Truth en backstage, où il va croiser Adam Pearce, et il va lui demander de rentrer dans le Money in the Bank ladder match. Donc là, Adam Pearce, il est un petit peu décontenancé, on va dire. Il lui dit, mais non, c'est pas possible, là, c'est le Royal Rumble, ce dimanche-là, c'est pas le Money in the Bank, Hurt Truth, t'es à la ramasse, encore une fois.
Et on va voir tout à coup AJ Styles avec son associé Omos et qui va proposer à Adam Pearce, bah écoute, on n'a qu'à faire un match de qualif pour Air Truth, et ou en tout cas une forme de match de qualif, c'était pas très 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 clair. Et du coup Adam Pearce, il accepte de booker un match entre AJ Styles et Air Truth. Alors, Papy, le Hurt Business, à quoi ils nous ont là dans ce segment là? Moi, en fait, ce qui me dérange, ça me dérange sans me déranger. La série 24-7, on a bien compris que c'était de la méga daube. Mais c'en est au point que le Hurt Business précise qu'ils ont tous une ceinture sauf MVP. Bah, un mec avec une ceinture et un arbitre qui rentre dans le ring, et bah, rien à foutre, on va pas le piner, on va le laisser fuir, on va tabasser tout le monde, et on aura rien à foutre. Donc là, c'est dire à quel point, en fait, la série 24-7, même pour MVP, même gratuitement, elle en veut pas, tu vois. C'est pas une ceinture, ça a aucun intérêt dans, c'est finalement un accessoire de Hard Truth, en fait, de la 24-7. Tu vois, c'est comme ça, peut être un bandana, ça aurait pu être un chapeau. Non, c'est la ceinture 24-7 qu'il a, puis qui part en temps, puis qui reprend. Enfin, c'est là, je pense que ça enterre, si ça avait pas déjà été suffisamment enterré, là, le 24-7, il est en dessous de tout. Et puis bah, le Hard Business classique dans ses qualités et défauts, c'est-à-dire qu'il démolit toute la tribu qui court après le 24-7. Donc ça, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un clan violent, mais d'un autre côté, ils sont toujours en train de s'embrouiller entre Shelton et Cédric, Alexander, et puis voilà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais qui se poursuit malheureusement. Ouais, de toute façon, on va les retrouver un peu plus tard, le Hurt Business. En attendant, on va enchaîner, on va avoir un match qui va voir s'affronter John Morrison à Sheamus. Eux aussi, ils sont un peu en bise-bise depuis un moment. John Morrison est bien évidemment accompagné par le Miz. Là, on va avoir un match qui va durer un petit peu plus, puisqu'on va avoir quand même un match de 9 minutes 35 entre l'Irlandais et l'Américain. C'était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Pour le coup, je donne mon avis d'entrée. Un match assez solide entre les deux. John Morrison est vraiment... à chaque fois, il sert beaucoup, beaucoup de chair à canon dans la team Miz John Morrison, mais donne des bons matchs avec un Irlandais qui lui est toujours aussi impressionnant. Sheamus va quand même s'en sortir malgré l'habitude de John Morrison. Mais qu'est-ce qui va se passer, mon papy? Il va se passer un truc que t'adores, et encore une bis repetita habituelle de la WWE après les restarts, les handicap match. Hey, génial. Voilà, puisque le match va se transformer, car le Miz va défier l'Irlandais, parce que Sheamus, donc, excusez-moi, bat John Morrison avec un white noise. Là-dessus, le Miz vient défier l'Irlandais à un handicap match, ce qu'accepte l'Irlandais qui se défile jamais de rien. On va donc se recoller à un handicap match qui va durer quand même quasiment 7 minutes derrière. Donc, les mecs vont encore en s'envoyer. Sheamus va offrir une belle résistance. Mais malgré la belle résistance, au bout d'un moment, ça passe pas. Le dirt sheet va remporter la mise grâce à un skull crushing finale. Victoire des dirt sheets. Alors, mon papy, j'imagine, handicap match, que du bonheur. Non, mais moi, ça. Et c'est fou, parce que ça, en fait, ça pourrit mon souvenir, tu vois. C'est que moi, du coup, le Morrison Sheamus, à partir du moment où ils ont déclenché le handicap match, le rematch, c'est un rematch handicap match en plus, tu vois. Alors là, c'est mal, la totale de tout ce qu'on n'aime pas. Et du coup, ça m'a fait un espèce d'écran blanc. Et puis, et voilà, j'ai du vomi partout. Là, c'est horrible. J'en veux plus. Je comprends. En fait, j'arrive vraiment pas à comprendre. En fait, il doit y avoir une stratégie. Hein. C'est pas possible autrement. On a toutes les semaines des rematchs, toutes les semaines d'handicap match. Je comprends pas cette stratégie. Il doit y avoir un truc derrière. Je sais pas si c'est par rapport aux pubs, par rapport. Ou alors ils ont fait un sondage qui leur dit: non, mais c'est génial, les gens, ils attendent voir les matchs recommencer. Mais je ne sais pas qui a répondu à ce sondage-là. C'est certainement quelqu'un qui en voulait à la WWE. C'est peut-être un certain Cody R, un certain Kenny O et autres qui ont répondu à ce sondage, et que du coup ils ont dit: ah super, c'est une bonne idée, allez-y les gars, c'est béton, faites ça, c'est génial, mais moi je trouve que ça gâche mon plaisir en fait. Et donc effectivement, à Morrison qui job pour Sheamus, et ensuite Sheamus qui job lui aussi en ce moment énormément, mais donc là c'était pour le Miz. J'ai envie de dire que de gâchis, quoi. On serait tellement bien avec juste un Morrison Sheamus qui aurait duré 5 minutes de plus. En plus, on en a parlé, là, c'était une des rivalités d'il y a 10 ans, là, Sheamus et Morrison, autour du titre, justement,
de la place de challenger numéro 1 au titre du Miz. Finalement, c'est tout, toute l'histoire se répète 10 ans après, mais autant à 10 ans c'est sympa, autant là, bah, il nous gâche tout avec des idées à la cour. Quoi. Donc, dommage, fichre, je peste. On peut peut-être juste penser que si le Miz finalement réussissait à cacher victorieusement sa mallette, une fois champion du monde, peut-être que ça sentirait le split avec John Morrison, qui sentirait l'odeur de la ceinture tout proche de lui. Et ça pourrait peut-être lui donner des idées au John Morrison à l'avenir. Bah ouais, il se mettrait, c'est ce qu'il ferait, il se mettrait en tag team avec Sheamus et puis il ferait un 2-1. Vous l'aurez compris, les handicap matchs, c'est non. Allez, un autre truc où vous allez nous dire si c'est oui ou c'est non, Peuple de Catch-Up, c'est le segment qui va suivre parce qu'on va se retrouver dans la loge de Lacey Evans qui est accompagné d'un Ric Flair. Tout ce qu'il y a de plus tactile. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, en train de lui montrer plus ou moins des prises, je ne sais quel genre de prise et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là-dessus, il y a Charlotte Flair qui va rentrer dans la loge. Lacey va plutôt s'esquiver quoi, et laisser le père et la fille régler leur compte. Alors, Ric Flair, il va reprocher à sa fille de l'avoir abandonnée depuis qu'elle connaît le succès à la WWE. Alors, what the fuck? Charlotte, elle, de son côté, elle va reprocher à papa d'avoir dépensé égoïstement tout son argent, sauf pour sa famille. Voilà, elle a plus de difficulté à dire que papa, c'est plus la légende qui la faisait rêver auparavant, que dorénavant, il est plus que l'ombre de lui-même. Et voilà, et au moment où elle dit ça, qu'elle lâche ça à papa, elle veut s'en aller, mais elle ne voit pas que Lacey Evans est revenue par derrière et l'attaque en lui plaçant une woman's right. Charlotte s'effondre dans la loge. Et là-dessus, Ric Flair va quand même se pencher en fait vers sa fille. On ne sait pas trop si c'est pour l'aider, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Mais elle interdit, Lacey Evans, elle interdit direct à Ric Flair d'aider sa fille et ils s'en vont là-dessus. Alors, papy, est-ce que comme moi, tu as senti un énorme sentiment de gênance? Ouais, mais c'est... Il y a tout en fait, il y a tout qui ne va pas quoi, là-dedans. C'est que ça poursuit ce que je disais en ouverture sur Charlotte. C'est-à-dire que Charlotte, elle est dans une histoire méta qui surpasse quasiment tout et c'est une histoire pas intéressante. Et en plus, dedans, tu rajoutes un Ric Flair qui est dans l'état où il est, qui est Ricky, les mains baladeuses, j'ai envie de l'appeler. Et puis voilà quoi, je sais même pas qui est le plus à plaindre, qui est le plus en vouloir dans ce segment là, mais j'ai l'impression qu'on a que des perdants quoi, donc je n'arrive pas à donner mon avis. Je te laisse parce que je sais pas quoi dire. Bah moi écoute, mon avis il est simple hein. J'étais extrêmement gêné, je trouve que vraiment c'est pas déplacé, mais enfin ça n'a pas de sens. Puis bon, ils nous l'ont vendu tellement de fois, les splits et en réconciliation entre papa et sa fille. Au bout d'un moment, il y en a marre. Charlotte Flair, elle peut très bien faire sa vie à la WWE sans avoir à chaque fois des segments avec papa. Je pense qu'on pourrait s'en passer largement, quoi. Et ce choix quand même assez bizarre avec Lacey Evans, des espèces de moments d'intimité proposés. Je ne suis pas du tout client de ce genre de truc et je me passerais totalement d'avoir Ric Flair présent dans lundi après lundi. Je veux dire, ok, c'est une légende, c'est un Hall of Famer qu'il agisse en tant que tel, qu'il apparaisse 3-4 fois par an et puis ça nous ira suffisamment comme ça. Là, je trouve qu'en ce moment, c'est beaucoup trop et si c'est pour nous offrir des segments pareils, je dis non merci. Voilà. Voilà, allez, hop, cassez-vous. Ouais, voilà, au revoir. Allez, on passe à autre chose, on passe au prochain match. Qui a été booké précédemment entre AJ Styles et R-Truth. Alors là, un match, j'ai même pas réussi à déterminer si c'était véritablement un match de qualif pour le R-Truth. De toute façon, ça va être réglé en 2 minutes 35. R-Truth, alors, sera sympa parce qu'il aura, il va être un peu en mode cosplay John Cena. Il va tenter un attitude adjustment, il va nous placer un five knuckle chuckle. Il nous passe un peu la totale dans ces 2 minutes 35. Il essaye de nous faire du move like Cena. Ça marche plutôt pas mal. On sent qu'AJ Styles il est en balade, hein, il se trimballe avec le homo à ses côtés. De toute façon, ça craint pas grand chose. Et voilà, AJ Styles va placer son calf crusher et va battre R-Truth. Pas une grande surprise, mon papy, là-dessus. Hein. Non, de toute façon, c'est les segments là pour le coup qui se répètent semaine après semaine.
Alors, au moins, il change d'adversaire, AJ Styles, mais en gros, c'est ça. C'est AJ Styles, un des favoris du Rumble, à mon humble avis, qui en fait, détruit toute la concurrence pour être tranquille, quoi. Alors, effectivement, ils n'ont pas précisé si c'était un match éliminatoire pour le Rumble ou pas. Ça peut-être évite de. Comme ça, ils gardent la possibilité d'utiliser Artruth si jamais il y a trop de cas de Covid ou une connerie comme ça. Je pense que c'est ça l'astuce. Mais voilà. Par contre, je me demande si Artruth, on a toujours vanté, et à raison, l'état physique d'Artruth qui a déjà 45 ans bien tapé, je crois. Hein. 47 ans, je crois. 47, d'accord. Et donc, il est dans un état monstrueux physique. Et là, j'ai l'impression, depuis quelques temps, qu'il a gardé son t-shirt pendant tout le match. Est-ce que c'est en hommage à Cena ou est-ce que c'est pour cacher une condition physique peut-être un poil moins au taquet? Je ne sais pas. Je me posais la question, en fait. J'avais l'impression qu'il avait des gros, plus gros joues que d'habitude, en fait, Artruth. Ouais, je sais pas, le t-shirt ça m'a semblé que c'était vraiment spécifique pour un hommage à son idole, donc écoute, ça m'a pas. C'est peut-être moi qui me fais des films. Hein. J'ai pas trop percuté, mais bon. Enfin voilà, c'était sans grand intérêt de toute manière. Si c'était pour nous montrer que AJ Styles était fort, on n'avait pas de doute là-dessus, donc écoute, voilà, ils en ont terminé là-dessus. Il aurait pu pécho le 24-7 au passage, AJ Styles, hein, pendant qu'on y était. Hein. Ouais, mais alors, moi, ça me choque moins, tu vois, que MVP, tu vois. AJ Styles, il est en mode je veux gagner le Rumble pour aller chercher le titre suprême, tu vois qu'il a quand même un objectif très très haut, en fait. Tandis que MVP se plaignait de pas avoir de gold, bah voilà, tu l'avais sous les pieds. Allez, on parle de Gold. Il y en a une qui commence à être bien, bien intéressée par la ceinture féminine, en l'occurrence. C'est Alexa Bliss qu'on va retrouver au Alexa's Playground qui se passe cette semaine dans la zone d'interview de la WWE. Hein. Donc, je vais vous passer vite fait tout ce qu'elle va nous raconter parce qu'en fait, elle va se remémorer tout simplement les événements de ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières semaines. Et toujours, elle continue à parler à sa planche en bois, hein, et à lui expliquer chose après chose. Que si elle s'est transformée la semaine dernière, c'est grâce à lui. Elle nous explique qu'elle va affronter de nouveau Asuka ce soir, mais que ce soir le match ça va être du sérieux puisque c'est pour le Women's Championship et ça sera notre main event d'Euro. Elle va chanter pendant qu'il y a des images de Asuka qui sont diffusées sur l'écran et petit à petit le visage d'Alexa va commencer à se transformer pour voir apparaître des images du Fiend et terminer son show en prononçant le fameux « Let me in » de la voix du Fiend. Papy, tu as peur avec ça, en mode Fiend? Non, non. Et en non, fait, non, j'ai pas peur. Ah, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Non, et en fait, pour la première fois depuis bien longtemps, concernant Alexa, concernant le Fiend, concernant tout cet univers, je vais le dire, c'était chiant, j'ai trouvé. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup trop de... Souvenez-vous, il y a une semaine. Souvenez-vous, il y a deux semaines. Souvenez-vous, il y a trois semaines. Souvenez-vous, il y a quatre semaines. Ils nous ont repassé... je crois que c'est là où ils ont repassé la promo quasiment intégrale de Orton de la semaine dernière, quoi. Ouais. J'ai pas compris. Ils avaient un magnétoscope et une cassette. Ils ne savent pas comment l'arrêter. Donc, ils ont passé le truc en entier. Pff, allez, hop. Et j'ai trouvé ça chiant. Mais chiant, parce que que tu utilises deux trois images avec un montage un peu dynamique des semaines précédentes, pourquoi pas, mais là tu passes un segment en intégralité, j'ai pas compris. Et déjà que Alexa Bliss en Fiend, il y a des qualités et des défauts. Moi j'aime bien qu'elle essaie de se mettre dans l'univers et je trouve qu'elle a des qualités pour et qu'elle a bien trouvé son personnage, mais il y a des trucs qui sont pas très bien joués. Et alors, en plus se les taper en vidéo une semaine après, deux semaines après, trois semaines après, enfin là j'ai... franchement, je me disais, j'étais pas. Heureusement, j'ai pas de montre, sinon je l'aurais regardé tout du long, quoi. Et ouais, franchement, je me suis vraiment fait chier. Bon, alors Alexa Bliss, de toute façon, on va la retrouver un peu plus tard dans le main event face à Asuka. Il est temps. T'es pas fiché, toi? Comment? C'est quoi? Ouais, moi ça m'a pas passionné non plus. Hein, de toute façon, tu vois, c'est vrai que c'était pas super enthousiasmant. C'est vrai que le problème, encore une fois, c'est que on nous rebalance la même chose. En nous remettant des images d'archives, entre guillemets, tu vois, de trucs qu'on a vus et revus ces derniers lundis. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression de faire du bis repetita en permanence, et ça, c'est quand même un vrai problème. Après, pour moi, Alexa, elle est complètement intégrée dans l'univers du Fiend, et c'est plutôt bien. C'est elle qui tient la baraque depuis que le Fiend a pris feu face à Orton. On ne sait pas trop où ça va mener, on ne sait pas quand est-ce que va revenir Bray Wyatt.
Alors là, effectivement, avec le Rumble qui approche à grands pas, j'ai du mal à imaginer que le Fiend fasse pas son apparition pendant ce Royal Rumble, mais bon, c'est à voir, c'est à voir pour l'instant. Pour l'instant, voilà, ça me passionne pas des masses, mais on va dire que ça continue l'histoire, en tout cas, c'est déjà ça, quoi. Oui, ça on peut pas le nier. Au moins, ils ont vraiment pas laissé tomber l'univers. Ouais, là, on est dans une storyline qui est sur la durée. Donc, qu'il y ait des moments de creux dans ce genre de storyline, ça me dérange moins, moi. C'est-à-dire que, bon, voilà, de temps en temps, si tu veux, moi, je préfère, avec ce qu'on vient de discuter, je préfère avoir comme ça une continuité de storyline plutôt que de se taper des handicap matchs ou des restarts comme on s'est tapé là sur la première heure et demie, quoi. Donc, c'est pas faux. Je suis clairement, je préfère ça, quoi. Allez, on continue pour l'avant-dernier match de la soirée. Et cet avant-dernier match, ça va être un match qui va être un gauntlet match qui va voir Riddle affronter tout simplement tout le Hurt Business, ou presque tous, puisque Shelton Benjamin, MVP et Cédric Alexander sont prévus au programme de Riddle, qui va être quand même assez sympa. Il va commencer, ça va être un match qui va durer en tout 12 minutes, mais il va commencer d'abord avec Shelton Benjamin, donc il va commencer avec le vétéran, qui va le battre facilement, enfin j'allais dire facilement, pas si facilement que ça, mais quand même en 4 minutes, mais il va surtout profiter le Riddle d'une mauvaise communication avec Cédric Alexander qui voulait intervenir alors que Benjamin est en train d'effectuer un roll-up. Là-dessus, Shelton Benjamin, il se relève, il est furieux, il commence à s'engueuler comme tous les lundis avec son coéquipier et qui ne voit pas que Riddle débarque et hop, le chope et lui met un roll-up. Victoire de Riddle face à Shelton Benjamin. Alexander et Benjamin, ils vont continuer à s'engueuler ringside. MVP, il va pour les calmer, mais il ne voit pas qu'il y a Riddle qui est là et qui va le choper et qui va lui appliquer un heel hook pour le faire abandonner. Mais alors vraiment, pour le coup, super vite. et on va passer directement au troisième, qui en l'occurrence est Cédric Alexander, qui va donc terminer ce gauntlet match face à Riddle. Là, ça va durer un petit chouille plus longtemps, mais pas beaucoup plus, quoi, puisque Riddle va profiter d'une nouvelle distraction qui n'aura jamais cessé en fait pendant ce gauntlet. Et pour faire quoi, les amis? Eh bien, pour faire un roll-up. Voilà, victoire de Riddle par roll-up pour remporter ce gauntlet match. Ça lui donne donc officiellement, on va dire, le titre de number one contender à l'US Championship de Bobby Lashley. Le truc, c'est que Riddle, il veut fuir rapidement vers l'entrée du Thunderdome, mais il est surpris par Bobby Lashley qui l'attendait, qui arrive derrière lui et qui va lui appliquer un Heartlock des familles pour rappeler c'est qui le patron, c'est qui le champion. Papy, victoire de Riddle, finalement, number one contender, sans surprise, c'était quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, alors je suis un petit peu partagé sur ce truc-là, parce que il y a deux, trois trucs sympas. La première partie, j'ai bien aimé en fait l'interaction Riddle et Shelton Benjamin. Je trouvais que c'était la plus réussie des trois. Bon, alors celle de MVP, forcément, elle est foirée. Mais même, j'ai trouvé qu'il y avait plus de, je sais pas comment on pourrait dire ça, d'alchimie en fait entre Shelton Benjamin et Riddle que Riddle et Alexander, par exemple. Shelton Benjamin, franchement, ils auraient fait finalement tout le match Shelton Benjamin à Riddle et avec l'entourloupe à la fin. Bah, ça aurait été aussi bien, quoi, je pense, plutôt que de nous forcer à faire un gauntlet. En plus, je t'ai trouvé bien gentil avec MVP à dire qu'il n'a pas vu Riddle venir. Mais si, justement, il voyait venir parce qu'il n'arrêtait pas de se retourner pour voir comment se placer par rapport à Riddle. Et il s'est fait quand même prendre ce con. Mais bon, donc, c'est. Par contre, il y a un dernier truc qui est bien, c'est Lashley qui intervient à la fin, tu vois. Lashley qui intervient à la fin, c'est un bulldozer, le mec, quoi. Il te pète avec la main. C'est à chaque fois qu'il attrape quelqu'un avec sa Heartlock, moi j'ai toujours j'ai les yeux qui se mettent en étoile là, je suis émerveillé par cette violence de Heartlock où il te secoue le mec totalement démantibulé. C'est, je trouve toujours ça super impressionnant, quoi. Mais voilà, il y a eu les deux roll-up, il y a eu le gauntlet qui, bon, heureusement était annoncé à l'avance, mais c'est mine de rien, c'est un peu ce qu'on a toutes les autres semaines, c'est comme un rematch finalement, c'est un restart, tu t'enchaînes les matchs à la suite avec le même gars. C'est un petit peu dommage ça, c'est voilà, je préférais ça, je vois pas en fait en quoi ça aurait rendu Riddle moins impressionnant s'il avait juste fait un quart d'heure contre Shelton Benjamin et distraction à la fin et il gagne le match contre Lashley. Franchement, ça aurait été aussi bien, je vois pas pourquoi il a besoin de rouler sur tout leur business, il se complique la vie pour rien, je trouve, la WWE. Ouais. Après, je trouve que Riddle est malin dans cette affaire. Il gère bien cette histoire de gauntlet match parce qu'il est à 1 contre 3. On est encore dans un handicap match. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, il est à 1 contre 3. Là, pour une fois, l'utilisation du roll-up est plutôt faite à bon escient.
Effectivement, pour Riddle, c'est trop compliqué de pouvoir passer des finishers et pour pouvoir être sûr de poser des tombées sans avoir la crainte que l'un des adversaires débarque pour casser à chaque fois la prise. Donc, il utilise pour moi le meilleur moyen. Là, pour moi, ça, c'est malin. Voilà. Et le roll-up est adapté. Voilà, et là le roll-up voilà, est totalement adapté dans cette situation-là. Il gagne sans trop de surprise. Je ne savais pas trop ce qu'ils allaient lui réserver, en fait, le Hurt Business. Je me demandais si ça n'allait pas se terminer par une DQ, qu'il allait se faire tabasser complètement et puis qu'on n'en parlerait plus. Je ne sais pas si on va avoir un match pour le titre US dans le Rumble, puisque les deux sont annoncés dans le Rumble match déjà. Donc, ouais. Moi, j'aurais bien lundi le voir, je pense, US. Ouais, ça sent l'euro du lendemain, cette affaire. Ouais. Donc, c'est ça, avec Pop Riddle qui élimine Lashley, puis Vengeance le lendemain à Raw. Ouais, voilà. Du genre. Donc, à suivre certainement lundi prochain. Restez à l'écoute, les amis. Allez, avant-dernier segment, avant le main event, avant le main event, on va avoir un vidéo package avec Edge. Voilà, qui est de retour, qui est chaud, qui est prêt, qui va nous parler de son passé, de sa maman, de ses cousins, de ses tantines, de ses tontons, de son papy. Il nous explique qu'il a dû abandonner le World Heavyweight Championship, prendre sa retraite, qu'il a travaillé dur pour espérer revenir un jour sur le ring pendant 9 années et que finalement il a pu le faire au Royal Rumble de l'année dernière. Voilà, le problème c'est qu'il y a une vipère qui est passée par là, il y a Randy Orton qui l'a blessé à nouveau, mais ça suffit pas pour le décourager, le Edge. C'est une assez longue promo hein, qui dure je crois à peu près 3 bonnes minutes. Voilà, donc il va nous expliquer qu'il s'est remis à travailler, il s'est remis au workout. Il va faire son retour à nouveau, durant le Royal Rumble, à nouveau, mais il nous explique que ça ne sera pas comme l'année dernière, parce que cette année, il vise le Final Four. Alors, il l'avait en fait déjà atteint, le Final Four de l'année dernière, mais là, il vise carrément le Main Event de WrestleMania pour récupérer ce fameux titre qu'il n'a jamais perdu, selon ses dires. Il se réserve le droit de rêver, Edge, et, il a bien raison, à vrai dire, hein. Et il se dit qu'il peut le faire. Donc, papy, Edge, vainqueur de Royal Rumble, tu accrédites? Oui, alors c'est un de mes favoris. Enfin, c'était un de mes favoris en fait, Edge. Mais je l'aurais bien vu entrer en surprise en 30e là. Là, la veille du Rumble, enfin une semaine avant, annoncé qu'il était là. Je suis. Encore une fois, je suis emmerdé en fait. Parce que la promo en soi, elle est pas mauvaise. La promo de Edge, hein, c'est bon. En même temps, c'est Edge. Hein, c'est un mec ultra méga rodé. Tu lui files n'importe quoi. Et là, il est dans un espèce de ring dans le noir. Il se dépatouille quoi. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils font une promo de Edge une semaine avant le Rumble, alors qu'il aurait pu faire une surprise, une entrée surprise. Le seul truc que je vois, c'est de dire on est tellement dans la merde à se dire qu'on va pas faire d'audience que du coup on fait n'importe quoi pour hyper le Rumble en disant venez voir, il y aura Edge. C'est le seul intérêt pour moi en fait. Mais ils auraient pu faire. Enfin. J'arrive pas à comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils foutent. Je vois pas pourquoi ils le gardent pas en surprise. Ou alors, si tu voulais vraiment faire monter la sauce avec Edge, bah, tu aurais pu faire des promos toutes les semaines, en fait, plutôt que de faire un truc une semaine avant, 3 minutes. Et attention, je vais gagner. Bah oui, on se doute bien que si Edge y va, il va pour gagner, quoi. Je comprends vraiment pas la stratégie de Monday Night Raw. J'ai l'impression qu'ils ont que des mauvaises idées en fait en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dévaloriser le produit? Eh ben, tiens, Edge, plutôt que de le faire rentrer en surprise, on va l'annoncer une semaine avant. Et voilà, dans le cul la surprise. Ouais, c'est d'intérêt déjà, et en plus, voilà, il va certainement passer un bon moment sur le ring. Dimanche, il va falloir s'y attendre. Non. Allez, ça y est, on est dans notre main event, on est dans le Raw Women's Championship qui va voir s'affronter Alexa Bliss à Asuka. Match bien annoncé au préalable, comme on en a parlé plus tôt. Un match qui va durer assez longtemps quand même, puisqu'on va avoir un match qui va durer 12 minutes 30. Et Alexa Bliss, oui, Arturo Brachetti, puisque Alexa Bliss à deux ou trois autres fois dans son personnage de goddess, hein, de divine, hein, comme elle était au préalable. D'ailleurs, ça va l'effrayer, ça va lui foutre la trouille, Alexa, quand elle va se retrouver comme ça, ce que j'ai trouvé assez étrange. Ça va permettre à Asuka de l'attaquer, parce qu'Asuka aura été quand même pas mal dominée, encore une fois, comme elle l'avait déjà été quand même la semaine dernière. Alexa va à nouveau se transformer au cours du match pour cette fois retrouver son personnage démoniaque
Et là, à partir du moment où elle va retrouver ce personnage, fini la période de domination d'Asuka et bienvenue à la période de domination d'Alexa, qui alors là va être carrément dans presque l'ultra-dominance, puisque ça va être toute une phase où je crois que Asuka bah, ne posera plus un seul move, et c'est Alexa Bliss qui va entièrement dominer le truc. Et alors qu'elle va vouloir terminer le match, Asuka, pour remporter quand même le Women's Championship qui est en jeu, elle va vouloir appliquer une Mandible Claw à la championne, mais au moment où elle va faire ça, elle va sentir une présence derrière elle, et qui est derrière elle, les amis? Eh bien, c'est la vipère, c'est le Randy Orton, qui est tout rouge, qui est tout brûlé au visage. Ah! Il fait très, 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 très peur. Et qu'est-ce qu'il va faire, la vipère? Eh ben, il va passer un RKO à Alexa Bliss. Oui, oui, vous avez bien entendu, si vous n'avez pas vu le show, Randy Orton a placé un RKO à Alexa Bliss. Asuka, elle est déjà plus ou moins KO, en fait, au milieu du ring. Et Alexa Bliss, bah, tout simplement, la rejoint sur le tapis et reste KO sur le ring. Le show s'arrête là-dessus. Victoire de Randy Orton pour le Raw Women's Championship. Nouveau champion. Nouvelle championne, Randy Orton. Alors, papy, content de cette passation de champion? Ouais, non, mais... Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, ce main event, il a à la fois toutes les qualités et tous les défauts qu'on peut reprocher en ce moment à Monday Night Raw. Alors, c'est un no contest. Hein. Je, bien évidemment, je fais. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas un no contest. Et Asuka conserve son titre. Tu as raison de le préciser. C'est vrai qu'on pourrait faire des frayeurs, mais nous ne sommes pas à la TNA, du moins pas encore. Voilà, comment dire, on va commencer par les côtés mauvais. Voilà, on finira par un aspect positif. Les côtés mauvais. La coupure, encore une fois, en plein milieu d'un truc, c'est la nouvelle mode maintenant à Monday Night Raw. C'est pour créer du suspense, c'est pour créer de l'émotion et de l'envie de suivre le show suivant. Et ben, tu coupes d'un coup, plaf, et tu sais ce qui se passe. Moi, ça fait l'effet inverse, je t'avouerai. Hein. Moi, ça me donne l'effet de on a l'arrache et puis on sait pas comment finir le truc. Donc, je n'aime pas du tout ça, mais pourtant, c'est une habitude, comme pour tout le reste, comme les rematchs, comme les handicap matchs. Ça se répète, c'est que ça doit marcher peut-être, hein, mais moi je n'aime pas du tout. Enfin, c'est que ça doit marcher, on verra les ratings plus tard, mais je crois que ça ne marche pas. Hein. Et un autre truc que j'aime pas trop, c'est la dynamique en fait de ce match. Je trouve qu'en fait les changements de costume d'Alexa, à chaque fois ça donne des gros coups de frein, parce qu'à chaque fois ça prend deux plombes. Ah, elle a changé de costume! Oh là là, la lumière s'est éteinte! Et autant avec le film, je trouve que c'est assez dynamique, les lumières qui s'éteignent, les apparitions, disparitions, tous ces trucs-là, ils arrivent à le faire assez bien. Autant, je ne comprends pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'Alexa a un rythme très lent avec sa personnalité de Firefly, Funhouse, elle est toujours très lente en fait. Et donc du coup, quand tu as un arrêt de lumière puis que tu redémarres sur un truc très lent derrière, bah, tu as vraiment des à-coups, et du coup je trouve que ça donne un rythme très lent au main event, et ça fait plusieurs fois que ça fait le coup. Il faut qu'ils trouvent une solution pour rendre ça plus dynamique. Mes points positifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, le RKO, moi j'ai trouvé super bien posé là, le pouf, ça, il a giclé comme d'un coup là, le RKO de Randy là, la vipère a fait son effet, donc très bien joué ce coup là. Et alors là, c'est marrant parce que tu vois, moi, quand Alexa s'est mis à pleurer en retrouvant sa tenue de godess, bah, moi, ça m'a interpellé en fait. Ça m'a fait l'effet de, je sais pas si tu te souviens, elle avait déjà fait le coup en pleurant face à Nikki Cross, qui d'ailleurs a disparu, hein, pauvre Nikki, si tu le regardes. Et en fait, je me demande si c'est pas un signe de dire en fait que Alexa, la godess, elle est piégée en fait dans l'affaire Funhouse. Et tu vois, en fait, ça serait, elle est prisonnière en fait du Fiend. Et de temps en temps, elle réapparaît, puis elle pleure en disant sauvez-moi. Puis hop, elle est re-happée par le Fiend. Et voilà, moi, j'ai pris comme ça en fait. Que quand elle a repris sa tenue de godesse, c'était qu'en fait, elle était toujours là, toujours une partie de sa personnalité qui était prisonnière en fait du Fiend. Et que bah, dès qu'elle ressort un peu, elle pleure en espérant qu'on la sauve. Et puis hop, directement derrière, elle est re-happée par le film qui la retransforme en un de ses personnages, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai l'impression qu'il y a trois Alexa. Il y a l'Alexa Godess qui est prisonnière, et puis l'Alexa Firefly et l'Alexa Fiend qui sont des créatures du film en fait. Je sais pas si j'ai réussi à faire comprendre mon baratin. Ouais, j'ai compris ton raisonnement. Ouais, ça peut me paraître assez
assez clair, de toute façon, effectivement, que le personnage d'Alexa Bliss essaie de sortir de l'univers du Fiend parce que elle est prise au piège psychologiquement. Et du coup, ouais, que la godesse, de temps en temps, essaie de refaire surface. Enfin bon, ça lui porte pas chance parce que quand la godesse refait surface, elle est toute pleurnicharde et elle est toute pas bien et elle est toute dépressive. Et du coup, ça lui donne pas vraiment l'avantage puisque ça va être le seul moment du match où Asuka va réussir à reprendre un peu le dessus et à dérouler un peu son catch, quoi. Donc voilà, au final, les filles ont eu plutôt moi, je trouve une exposition plutôt pas mal. Elles ont le main event de ce Go Home Show. Que ça se termine de ce no contest de cette manière-là, finalement, c'est pas si mal que ça. Je t'avoue, grosse surprise, hein, moi, pour moi, de que Randy Orton vienne coller un RKO à Alexa Bliss. Il l'avait déjà fait à Nia Jax, mais là, on parle sur un autre gabarit, quoi. Donc c'était assez, pour le coup, assez surprenant. J'ai trouvé ça plutôt sympa et effectivement, je te rejoins aussi sur l'histoire des coupures. C'est vrai que là, par contre, ça fait plusieurs lundis de suite qu'il nous impose ça et que c'est pas toujours fait à bon escient. Donc c'est un petit peu étrange, quoi. Mais je sais pas si c'est un choix, je sais pas comment c'est, ou est-ce que c'est dû, est-ce qu'ils prennent du retard avec la télé américaine, etc., les impératifs horaires, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les montages sont assez surprenants ces derniers temps. Allez, ainsi se termine ce Monday Night Raw du 25 janvier 2021. Et ainsi va commencer le top flop note du papy. Ouais. C'est un top flop note compliqué parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de top, en fait. Il y a chaque top que je pourrais dire est contrebalancé par une merde qui arrive juste derrière, en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que Raw s'amuse à saboter ses propres segments. Je vais donner mon top, allez, je vais le donner à du catch, je vais le donner à la partie catchesque entre Riddle et Benjamin qui me semblait, enfin moi j'ai trouvé vraiment une bonne alchimie entre les deux, ça a duré que 4 minutes, mais j'ai bien aimé en fait leur confrontation physique, les deux physiques qui sont bien compatibles je trouve, pour catcher ensemble, et donc vraiment j'aimerais bien les revoir un jour, nous donner du catch quoi. Mais voilà, malheureusement, c'est contrebalancé un peu par tout le reste qui se passe. J'ai mon flop, du coup, j'ai plein de choix parce qu'il y a plein de merde qui me manque. Ah ouais, c'est pas ce qui manque là. En fait, je vais le donner à la division féminine. Alors, je pourrais le donner à la division tag team qui est morte, mais en même temps, c'est parce que leur business est utilisé pour autre chose. Mais je le donne à la division féminine parce que je trouve qu'elle est mal gérée en ce moment, la division féminine. On parlait d'Asuka. Asuka, elle sert de, c'est la championne, mais elle sert de faire valoir en permanence quoi maintenant. Elle sert de faire valoir pour Charlotte, elle sert de faire valoir pour Lana, elle sert de faire valoir pour Alexa Bliss. Depuis quand Asuka n'a pas eu sa propre personnalité, son propre défense de titre. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Depuis quand elle est pas Asuka en leader et l'histoire qui tourne autour d'elle. En fait, depuis et moi, c'est elle qui tourne autour de l'histoire des autres, en fait, Asuka. Et ça me fait chier, quoi. J'aimerais bien retrouver une Asuka dominante. Et j'ai peur qu'elle se retrouve vraiment à perdre la ceinture sans jamais vraiment avoir été... Enfin, si, elle a été dominante à l'époque, Sasha Banks, tout ça. Mais sinon, depuis, j'ai l'impression qu'elle est totalement dans l'ombre, quoi, Asuka. Et du coup, et la division féminine, du coup, elle n'est pas du tout emmenée, tu vois. Elle tourne, elle retourne, elle fait des storylines bidons. Enfin, ils n'arrivent pas à mettre en valeur les filles côté Raw. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Côté toi, autant SmackDown, t'en as beaucoup moins de filles et j'ai l'impression qu'elles ont toutes quelque part leur place et qui est bien, bien positionnée. Autant à Raw, c'est gloubli goulba de filles. Quoi. Et hop, tout ça au Rumble et démerdez-vous. Quoi. Donc voilà, donc mon flop aux filles. Et ma note, je donne à 2,25. J'ai pas envie de le saquer totalement parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui pourraient être bien. Tu vois. C'est jamais vraiment bien. Ils arrivent pas. Ils s'accachent tout à chaque fois, Raw. Donc, 2,25. Et j'espère vraiment qu'ils sont freinés par le Rumble et qu'une fois où le Rumble passé, ils vont vraiment décoller. Mais je commence à avoir des doutes hein, parce que ça commence à faire des semaines et des semaines qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne dynamique. Quoi. Donc, croisons les doigts. Eh ben écoute, moi de mon côté, ça va être pas trop compliqué non plus. Mon flop, je vais le donner à Ric Flair parce que moi vraiment j'en ai ras le bol. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il vienne un Raw Legends, qu'il apparaisse dans un pay-per-view, qu'il vienne 3-4 fois par an, voilà, faire l'éloge ou pas de sa fille ou d'autres, pourquoi pas. Mais nous le coller tous les lundis dans des segments malaisants, moi ça avec moi en tout cas ça marche pas. Donc, Rick, reviens à la maison de retraite, s'il te plaît. Merci. Attends.
Voilà. Mon top, je vais le donner quand même au main event parce qu'en plus, voilà, on a eu un match quand même qui aura duré plus de 12 minutes. Voilà, vrai main event d'Euro avec cette grosse surprise et puis ce RKO out of nowhere de Randy Orton. J'étais vraiment, pour le coup, comme je l'ai dit, vraiment, vraiment surpris par ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de finish. Et ça, c'était plutôt pas mal. Je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse de Asuka. De toute façon, il lui manque clairement une vraie rivalité avec une vraie number one contender et qu'on remette un peu le titre au centre des débats, ce qui manque parfois. Alors là, pour le coup, dans ce main event, le titre est en jeu. Donc on pouvait s'attendre peut-être à quelque chose un peu, mais bon, juste avant le pay-per-view du Royal Rumble, alors qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec The Fiend et tout ça, ça aurait été certainement pas le bon moment. Donc ils ont décidé de partir en no contest et puis nous balancer ce final de fou avec le RKO de Randy Orton. Pourquoi pas ? Moi, ça m'a plutôt botté et ça m'a plutôt... ça a fait relever un tout petit peu la note de ce Raw que j'ai trouvé très mauvais globalement. Voilà, allez, je crois qu'on aura tout dit, un peu plus de catch-up depuis le début, les restarts, les handicap match, les bis repetita, tout ce que vous voulez. Il y en a eu tellement. En plus, on a le pauvre bel homme qui va se retrouver avec Goldberg dimanche, donc pourvu qu'il le décapite. Je sais, c'est mal, mais voilà, vraiment, c'était pour moi un Raw très mauvais. Je me suis beaucoup ennuyé et alors j'aime pas ça. Et alors moi, je vais lui mettre un simplement 2. Voilà. Voilà. Dans la tronche. Ça va se passer. Ah ouais, là, un Raw qui terminera dans les oubliettes très 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 vite. Allez. C'est pas un bon go home show, hein. Franchement. On n'est pas hypé pour le Rumble après ce Raw en fait. Ah non, 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 ouais, on a même pas l'impression, même pas une grosse bagarre générale, voilà, je sais pas, dans le locker room, même pas, je sais pas, de petits angles avec des mecs qui cherchent à se qualifier, des mecs qui veulent tirer un ticket, j'en sais rien, enfin, qu'on fasse quelque chose autour de ça, il n'y a rien eu autour de ça, voilà, c'est le Royal Rumble, point barre, ok, d'accord, bon, bah, ok, bah, go home to the Royal Rumble, alors, allons-y. Dernier petit mot, les ratings, ce Monday Night Raw, il aura fait 1 819 000. Un tout petit peu moins bien que la semaine dernière, toujours aussi mal hein, parce qu'ils perdent 200 000 téléspectateurs dans la dernière heure, ce qui est toujours assez spectaculaire, mais bon, je sais pas, il faudrait demander à El Patron, à IRM, mais y avait-il du football américain lundi? C'est fort possible puisque je crois qu'on approche du Super Bowl, donc là il doit y avoir une grosse concurrence avec la NFL pour la WWE. Voilà les amis, on est arrivé au bout de cette review. Alors je vous rappelle déjà tout de suite, allez voir sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Catch Up, il est présent partout, il est présent à Apple Podcasts, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcasts. On est également sur YouTube et là je vous encourage particulièrement à aller vous abonner sur YouTube et à sonner la cloche et à mettre des likes puisque cette semaine, les amis de la team ont mis en ligne une rétro consacrée au Royal Rumble 2011 avec Papy, avec Ringside, avec Raphaël Hier. Voilà, qui reviennent en long, en large, en travers et peut-être parfois un peu tout droit sur ce fameux Royal Rumble. J'ai entendu que vous parliez beaucoup de CM Punk et ça ne m'étonne pas avec Raphaël. Ah bah, en même temps, c'est un peu le début de son histoire là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça coïncide vraiment en plus avec ses débuts de fan de catch, quoi. Donc voilà, une grosse rétrospective qui dure 2 heures et avec des vignettes dedans, vous verrez un beau montage qui nous a été réalisé par le Ringside. Allez voir ça, c'est déjà en ligne. Vous nous retrouvez bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le Discord où vous pouvez venir taper la discute avec toute la communauté Catch Up. Et n'hésitez pas à aller sur le site officiel pour retrouver, tous les liens sont dans la description, catchup.lepodcast.fr. Mon papy, je te remercie beaucoup d'être venu pour reviewer ce 1444e Monday Night Raw. Ben merci tonton pour l'invitation et à bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. On essaye de vous placer des powerbombs un peu plus safe que Nia Jax. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut papa le catcheur. Des nouvelles du FG? Hein, FG, bah, il a mis son gros pif.
Il se les fait exploser par Nia Jax, donc on devrait être tranquille. Cool.